Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis sur ma table. Voilà. Je me suis un peu étalée, voilà. Alors aujourd'hui, comme tous les dimanches, puisque là au moment où vous regardez la vidéo, on est dimanche, et puis en plus comme ça vous voyez Fifi, c'est le journal créatif. Numéro 30, le journal créatif de la semaine. Bon, j'espère que ça va aller comme ça. Je crois que je l'avais déjà fait une fois sur la table. Mais bon, j'en ai une qui va s'amuser. J'espère que ça ira. Bon, on verra bien. On ne va pas s'embêter. Alors, aujourd'hui... cette semaine, j'avais prévu pas mal de choses à faire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce style de vidéo sur ma chaîne, je vous montre tout ce que j'ai fait pendant la semaine en broderie, en tricot, en crochet, en diamond painting ou tout autre loisir si j'en faisais d'autres dans la semaine. Et donc, je vous explique ce que j'avais prévu lors de la dernière vidéo pour cette semaine. Alors, cette semaine, j'avais prévu, niveau broderie, c'est toujours à peu près pareil, hein, il n'y a pas beaucoup de changements. Mon dragon, ma fleur, donc c'est celle que je fais en duo avec Céline. Mon jus de carotte de Lily Point, mes ronds bleus de chez Lanart, mes pans royaux de All Forest. En parlant de All Forest, il y avait aussi le sale de Julia. Donc c'est un modèle All Forest également, c'est Punky. Punky the Autumn, c'est un nom comme ça, je ne sais jamais. En All Forest, il y avait aussi le sale Alice au Pays des Merveilles que j'organise sur mon groupe. Ensuite, il y avait le sale de la Maison Météo. Donc ça, c'est une broderie que j'ai créée et que l'on brode. On a commencé à broder 6 mois avant le mois de janvier. Ça fait quoi? Décembre, novembre. On a commencé en juillet, si je ne me trompe pas. Donc là, on va continuer ici toute l'année. Ensuite, le Bouddha. Donc le Bouddha, c'est une broderie gratuite que vous trouvez sur la boutique de Sabine, Poussière d'étoile. Le sale mystère, justement, de Poussière d'étoile. Qu'est-ce que j'avais encore? Mon sale du Nouvel An, voilà, qui est organisé également sur mon groupe. Ma grenouille, c'est un modèle de chez Poussière d'étoile également. Mon toast à l'œuf, c'est un modèle Magic Needle. Et s'il me restait du temps, commencer ma steampunk. Ensuite, niveau... Hop là, attention, Fifi. Ensuite, niveau crochet, il y avait la couverture météo 2023 et celle de 2024. Et en tricot, c'est toujours la même chose. Le débardeur pour chouchou, mon pull fil d'art et le pull camionneur. Voilà. Et bien sûr, le diamond painting également. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour, oui. Alors, je commence comme d'habitude par le diamond painting, c'est la partie la plus rapide de la vidéo. Comme je vous avais montré la semaine dernière, j'ai choisi de vous cacher le dessin du DP que je vous demandais de choisir les cases, je vais y arriver. Et donc, vous ne connaissez pas du tout le dessin de ce que je vais faire.
Là, vous m'avez déjà choisi des cases. J'ai pu en faire deux. C'est pas énorme, mais bon, c'est déjà ça, hein. J'ai pu en faire deux. Et je vous montre. Et ça ne va pas vous dire grand-chose. Voilà. Donc, la case 6 qui était ici en haut et la case 9 qui était ici en bas. Voilà. Donc, c'est les deux cases qui ont reçu le plus. Oups, j'ai. Ah, bah, Fifi m'a fait tomber une perle. Bon, c'est pas très grave, j'en remettrai une. Oui, c'est, je disais donc, c'est les deux cases qui ont eu le plus. De vote, voilà, je vais y arriver. Oh, j'ai du mal ce soir. Donc là, je vais vous remettre la photo. Comme vous avez pu voir, j'ai rajouté des étiquettes, comme ça on voit beaucoup mieux les numéros. Je vais vous laisser choisir deux ou trois cases à votre choix, lesquelles vous voulez que je fasse, et comme ça, ben, la semaine prochaine, vous pourrez voir la suite de ce DP. Voilà, donc il vous reste les numéros. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, le 6 a été fait, le 7, le 8, le 9, il a été fait, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15 et le 16. Voilà. Numéro complémentaire. voilà, donc je vous laisse choisir deux ou trois en case et je ferai comme cette semaine, je ferai les deux ou trois cases suivant le temps que j'aurai qui ont reçu le plus de votes. Voilà. Ensuite, nous allons passer à la broderie. Alors, je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer cette semaine. On verra bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai en broderie d'abord? Alors, on va d'abord parler des broderies terminées. Alors, pour ma part, il y en a une. Je vous dis pour ma part. Vous comprendrez après. J'ai terminé et encadré la fleur que j'ai faite en duo avec Céline. Voilà. Donc, c'était les tulipes, c'est des modèles Just Sunday. Si j'y pense, je vous remettrai le lien en barre d'infos parce que ça, je crois que j'ai oublié de vous mettre le lien. Voilà. Donc, c'est un cadre de chez Action. Et le passe-partout, je l'ai fait avec le papier cartonné qui est dans les blocs. Il y a du papier blanc, craft et noir. De chez Action également. Voilà. Elle est très très belle. Enfin, elles sont très très belles puisqu'il y a trois tulipes. Voilà. Donc ça, c'est terminé. Alors, je vous disais que pour ma part, j'ai terminé celle-ci. Mais j'ai eu de la visite aujourd'hui. J'ai eu la visite de mes petites filles et de leur maman. Et parce que ma belle-fille va faire bientôt une autre broderie. Et elle avait besoin de fil. Je lui avais préparé sa toile, etc. Donc ils étaient venus à la maison. Et en même temps, ma belle-fille et ma petite-fille m'ont ramené leur broderie terminée. Donc, pour l'instant, celle de ma petite fille, je l'ai juste lavée parce que c'est moi qui fais les encadrements. Pour l'instant, elle est juste lavée. Elle sera encadrée, je pense, demain ou lundi. Mais donc, voilà ce qu'elle a fait. Donc, c'est un modèle que vous devez connaître. Hein, voilà. Donc, c'était un modèle Just Sunday. Bon, c'est un modèle d'une créatrice, hein, mais j'ai plus son nom. Mais voilà. Donc. Je vais lui encadrer et elle a choisi ce cadre-là. Voilà. Donc c'est un cadre de chez Action également. C'est un 13-18.
Voilà. Donc je ferai ça demain ou lundi. Là, bon, il faut quand je le repasse, que je le... Que comment? Que je le stabilise derrière. Et après, bon, ça, c'est un petit, une petite broderie, hein, donc ça va aller très très vite à faire. Donc voilà. Là, elle est déjà sèche. Je l'ai lavée avant le souper. Et avant le souper, c'est pareil. Je l'ai mis un petit peu sur le radiateur et puis ça a été vite, très vite sec. Ensuite, dans la broderie terminée, mais celle-ci n'est pas à moi, mais du coup, je vous les montre quand même. C'est une Joy Sunday également. C'est ma belle-fille qui l'a brodée et là, elle l'a brodée pour moi. Quand j'aurai, quand j'irai à Action, je me rachèterai un cadre. Voilà. Donc vous connaissez, hein, je pense, c'est le livre d'Harry Potter. Voilà, avec son écharpe, avec le bidule. Je suis toujours pas à la page, hein, pour Harry Potter. J'aime beaucoup Harry Potter, mais tous les noms des objets, tout ça, moi, je les retiens pas. Donc voilà. La broderie. Bon, là, elle est chiffonnée encore. Hein. Donc elle l'a fait en point compté. Mais il est très très joli. Alors je l'encadre, je vais l'encadrer et je mettrai certainement dans ma pièce par là, à côté de mes livres, puisque c'est un livre. Je verrai à ce moment-là. Mais voilà. Alors c'est ce modèle-là, voilà, vous voyez, de chez Pseudo Joy Sunday. C'était un 14 CT qui faisait 32 sur 40 cm. Il lui reste quand même pas mal de fil, vous voyez. Il lui restait quand même pas mal de fil. Donc c'est très très bien. Quand je serai pour l'encadrer, je vous montrerai. Voilà. Mais bon, ce ne sera pas tout de suite, tout de suite. Donc voilà pour les ouvrages terminés. Ensuite, je vais commencer par celui-là. C'est celui qu'on a commencé hier, 1er mars. C'est un nouveau sale que j'ai mis en route. Voilà. C'est un modèle de Sabine, Poussière d'étoiles. C'est son modèle du colibri. Voilà, vous voyez le colibri sur l'aimant. Donc là, j'ai fait deux cases. J'ai fait deux cases, donc 200 points. Je le fais sur une... Alors, je ne connais plus le nom de la toile. Je n'aurais pu vous la dire. Et là, avec le scotch, on ne voit pas à travers. Si là je vois Even, alors attendez, Even Weave, voilà, Dread Pétale, et donc c'est une 11 fils de couleur jaune, n'importe quoi, rose pastel, avec des petits reflets comme des nuages dedans, voilà. Donc là, ça a été commencé qu'hier, hein, donc il n'y a pas encore beaucoup de choses de faire. Malgré qu'il y en a qui sont un peu plus avancés que moi. Mais bon, j'ai le temps, là, les étapes, on les fait sur un mois. Donc voilà. Là, vous voyez, j'ai le trifil. Alors ça, c'est des articles que vous pouvez retrouver, hein, sur la boutique de Sabine, Poussière d'étoiles. Voilà. Ensuite, alors là, ce n'est pas une broderie qui est terminée, mais c'est une étape de terminée, puisque c'est un sale que moi j'organise. C'est le sale du Nouvel An, donc on a démarré le 1er janvier.
comme son nom l'indique. Donc il y a une étape chaque mois et le thème c'était l'automne ou l'hiver. Voilà, on avait le choix entre l'automne ou l'hiver. Moi j'avais choisi l'hiver. Hop là, oulala, attendez, j'ai tout qui s'en va. Voilà, il y en a toi. Alors j'avais choisi l'hiver avec un modèle de chez Riolis. Voilà. Le nom c'est Meeting at the Windows. Donc je ne sais plus si c'est conversation à la fenêtre ou c'est un truc comme ça. Voilà. Avec le chat, l'oiseau, la neige. Voilà, un beau modèle d'hiver. Et donc, alors attendez, parce que je garde mes fils de côté, hop, un peu en parking. Donc, voilà. Donc, l'étape 2, c'est celle-ci. L'étape 1, ah, ça, vous aurez compris, hein, c'était celle-là. Donc, janvier et février sont terminés. Alors là, il me reste 2-3 points arrière à faire. Mais je voulais absolument terminer mes croix. On devait finir cette étape-là le 29. Moi, le 29, je l'ai brodé. J'avais fait un peu le 28, je crois, ou enfin, je ne sais plus quelle date. J'ai dit le 29, il faut absolument que je termine. Je l'ai terminé, il est entre avant minuit. Donc, j'étais dans les temps, hein, j'ai terminé le 29. Mais il me restait 2-3 points arrière à faire. J'ai dit, bon, ça, c'est pas grave. Je vais les faire dans le courant du mois ici. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a ici dans la queue de l'oiseau et 2-3 ici dans la branche. C'est tout. Donc, ça va me prendre un quart d'heure et ce sera fait. Mais, alors, j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup le rendu du fil également. Je vous rappelle que chez Riolis, les fils sont en laine et acrylique. Voilà. Et ça donne un effet tout duveteux, tout doux. Et c'est vraiment très, très joli. Voilà. Donc là, maintenant, ce mois-ci, on va attaquer la troisième étape. Et elle sera ici. Voilà. Bon, là, il faudra que je bouge ma broderie hein, un peu, mon cadre. Mais la troisième étape est ici. Voilà. Et après, on reprendra... Bon, vous verrez à ce moment-là, mais... Ah non, attendez, est-ce que je l'ai? Oui, moi, je l'ai. Puisque moi, je suis en mode portrait pour ma broderie. Donc, voilà. Donc, la 1 est faite. Là, on vient de terminer la 2. Et... on va faire la 3 qui est ici. Voilà. Et après, on repartira dans le coin en bas pour faire la 4, etc. Mais très, très agréable à faire. Et je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors. Là. Ensuite, ici. Alors ça, c'est le Sal All Forest que Julia organise. J'ai pas encore pensé à aller sur. Enfin, j'avais déjà été avant, bien sûr, mais là, depuis le mois dernier, ce mois-ci commence. J'ai pas encore pensé à aller sur le groupe de Julia pour lui mettre la photo. Donc là j'en suis à j'en suis là, voilà. Donc ça, celui-là je l'ai fait hier. J'ai fait 256 croix. J'ai dépassé les 50%, j'en suis à 50,70%. Et j'ai fait en tout déjà 6401 croix. Ce qui fait que ce mois-ci,
puisque l'on doit faire 1000 croix par mois, ce mois-ci, il ne me reste plus que 599 croix à faire. Voilà. Donc, voilà où j'en suis. Et donc, j'ai fait cette partie-là, ici. Toujours aussi agréable à faire. Alors, je savais parler hein, que j'avais une erreur quelque part. Bon, en fin de compte, j'ai laissé tel quel. Je n'ai pas redémonté. Je vous avais dit, hein, je ne savais pas si j'allais démonter cette petite feuille-là ou pas. Je ne l'ai pas démontée. Je dis, c'est pas la peine. Ça se voit pas, il n'y a que moi qui le sais. Et puis, ça ira très très bien. Là, pareil, de toute façon, vous voyez, on ne voit pas que là, c'est pas qu'il manque une ligne, c'est qu'il y a un décalage d'une ligne. Ça se voit pas du tout, du tout. Donc, c'est très bien. C'est très bien comme ça. Pas besoin de démonter. Je continue sur ma lancée. Et bon, par contre, maintenant, j'essaye de faire attention. je continue comme ça. Ça ira très, très bien. J'aime beaucoup le rendu, surtout sur la toile sur laquelle je fais. C'est une étamine 14 fils. Celle-là, elle est un peu imitation lin. Voilà, la couleur, hein, le lin. Mais elle est vraiment très, très belle. Voilà. J'aime beaucoup. Donc là, bah, ce mois-ci, on est que le 2 hein, là, aujourd'hui. Donc, 599 croix pour le mois. Ça va aller très, très bien. En une ou deux fois, c'est fait. Hein. Donc, voilà pour celui-ci. Alors, je vérifie juste un petit truc. Hop. Où est-ce que je l'ai mis ? Ok. Alors, ici, je vous ai montré donc la broderie de la tulipe. Que j'ai encadré, que je fais en duo avec Céline. J'ai commencé la fleur numéro 5. Voilà, donc c'est celle-ci. Ce sont des coquelicots. Voilà, très jolis. Ils vont être très agréables à faire. Il y a un petit peu de point arrière, comme d'habitude, mais rien d'extra. Alors, je vous explique. Moi, je l'ai déjà commencé. Vous voyez, derrière, voilà ce que j'ai fait. Hop. Donc, j'ai commencé les feuillages. Tout à l'heure, Céline m'a envoyé un message et elle m'a demandé si ça ne l'embêtait pas qu'on reporte d'un mois notre broderie. Bon, mais moi, j'avais déjà commencé. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Moi je vais la mettre de côté pour la reprendre le mois prochain. Donc ce mois-ci vous ne la verrez pas parce que bah, je préfère la broder en même temps que Céline hein, du coup ce mois-ci vous ne la reverrez pas je vais la mettre de côté puis c'est tout. Voilà. Donc moi il n'y a pas de problème. Bon, elle est déjà juste un petit peu avancée mais c'est pas très très grave hein. Voilà. Qui fait, il ne sera plus à faire. Voilà. Et oui. Bon, faites pas attention au dos. Hein. Alors moi, le dos des broderies, j'en ai vraiment rien à faire. Je m'en contrefiche, mais alors, un point. Bon, j'essaie quand même pas faire les boulets, mais voilà, je m'y attarde pas. Donc, celle-ci, bah, vous la reverrez au mois d'avril. Voilà. Bah, ça me permettra d'avancer sur d'autres broderies, hein, malgré que ceux-là vont très vite à faire. Hein. Mais celle-là, du coup, vous la reverrez au mois d'avril. Voilà. Ensuite, alors, j'ai pris mon crayon. Donc, celle-là, je vous l'ai montrée.
Celle-là, non, pas encore. Celle-ci. Alors, on va sortir les grands sacs que j'aime toujours autant. Puisque moi, dans ces sacs-là, j'y mets mes grands métiers à broder. Hop, voilà. Alors, celle-ci, je l'ai... Je l'ai commencé quand, celle-là? La semaine dernière, hein? Oui, j'avais commencé la semaine dernière. Et là, cet après-midi, ben, je l'avais sorti, j'avais commencé à broder. Et ben, je vous ai dit, mes petites filles et ma belle-fille sont arrivées, donc ben, j'ai stoppé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas fait beaucoup de broderie, mais bon, c'est pas grave. Hein, bon, y a rien de... Je suis pas, comment on dit par chez nous, je suis pas à pièce. Hein, voilà. Donc, j'ai avancé un petit peu. Mais voilà. Donc, c'est mes pans royaux de chez All Forest. Voilà. Donc, vous aurez vu, je vous aurais remis l'image de toute façon. Voilà où j'en suis. Alors, j'aime, il est très agréable à faire aussi. En plus, là, c'est du monochrome, donc pas de prise de tête. Je le fais avec mon application Pattern Keeper. Donc, ça va tout seul. Donc, cette ici, ben, voilà ce que j'ai fait. Ben, vous avez dû voir avec la photo. J'ai fait ici en bas. Voilà. Donc, en tout, j'ai fait combien de croix sur celle-ci cet après-midi? 141 croix. Bon, j'ai oublié de marquer le pourcentage. Si je pense que ça va aller vite, si je regarde. Je ne sais plus où j'ai mis mon stylo. Enfin, c'est pas mon stylo, c'est mon stylet. Bon, c'est pas grave. Là. Alors, j'en suis. En tout, j'ai déjà fait 854 croix. Et j'ai fait 2,66%. Il va y avoir en tout à faire 32 089 croix. Voilà. Il y a pire. Il y a pire. Donc voilà. Et j'aime beaucoup le rendu sur la toile. Et c'est vraiment très beau. Donc la couleur du fil, c'est le DMC. Là, c'est le vrai DMC. Le 550. Voilà. Donc, cette semaine, ben, je leur avancerai encore un petit peu. Hein, sans que, je l'ai déjà dit, il n'y a pas d'urgence. Hop. Ça, je le remets par terre, parce que ça prend de la place. Et je vais profiter pour vous montrer le deuxième grand. J'ai oublié de remettre ça. Bon, je remettrai plus tard, après. Alors, ici, ma maison météo. Voilà, ma maison météo. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait ma semaine de température, ici. Voilà, chaque vitre, je rappelle, c'est une journée. Une vitre, une fenêtre, c'est une semaine. Et chaque vitre de la fenêtre, c'est un jour de la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, etc. J'ai également fait, bon, je vous dis, hein, j'ai pas beaucoup avancé. Alors, j'ai un petit souci, je vais vous expliquer. J'ai également avancé les deux boiseries. Voilà, j'avais fait les jaunes, mais j'avais pas fait les boiseries. Donc là, les boiseries des deux fenêtres sont faites. Alors, sur la dernière fenêtre, ici, j'ai un tout petit souci. Alors, si j'y pense, j'essaierai de vous mettre une photo. Du coup, je suis en train de le broder, mais alors avec délicatesse, cette fenêtre-là. J'ai un fil qui s'est coupé dans la toile. Je n'ai pas de toile tire-fil. Ou... Alors, ce que je pourrais faire également, pour pas que ça s'abîme et puis que j'ai plus de facilité pour le broder, c'est de prendre alors pas la
pas la toile thermocollante que je mets pour stabiliser mes broderies, parce que ça va être trop épais. Mais voir, j'en avais, mais je sais pas si j'en ai encore. Du thermocollant pour les vêtements, vous savez. Mais il y en existe, thermocollant des deux côtés, mais il existe aussi, comme pour la toile de stabilisation, avec du thermocollant que d'un côté. Mais là, quand c'est pour les tissus, c'est assez fin, c'est beaucoup plus fin. Alors, je vais regarder si j'en ai encore. Bon, si j'en ai plus, tant pis, je prendrai un tout petit bout de toile stabilisatrice thermocollante et je vais le fixer derrière la toile pour bien tenir le fil qui est coupé. Je ne sais pas comment. Alors, je sais pas si c'est un défaut qu'il y a dans la toile et que j'ai pas fait gaffe avant. Ou alors, est-ce que c'est moi que j'ai pas fait attention et puis que j'ai donné un petit coup de ciseau pour, ça se peut. Hein. Je sais vraiment pas. Mais c'est pas très grand. Ça va se faire sur 1, 2, 3. Sur 3 croix. Comme ça. 3 croix en verticale. Là, la quatrième, je l'ai déjà posée, ça va, ça bouge pas. Donc, je vais y aller vraiment très délicatement, sans serrer les points à ce niveau-là. Et je sais vraiment pas pourquoi. Ouais, c'est pas très grave. Il y a toujours moyen de réparer, de toute façon, les choses. Alors, vous voyez, je vous avais montré la semaine dernière que j'avais mis des fleurs aux fenêtres, aux deux premières fenêtres. Je ne les ai pas enlevées encore. Parce que je vous ai dit, cette broderie va durer un an. Hein, et ça ne bouge pas. Donc, du coup, ceux-là, je les laisse vraiment en test. Voir si ça tient bien. Si ça tient bien. Là, c'est juste collé avec du double face. C'est juste collé avec du double face. Et pour l'instant, ça ne bouge pas. Donc, voilà, c'est bien. Alors, j'ai déjà réfléchi comment je ferai mon encadrement par la suite. Mais bon, on verra à ce moment-là. Ce sera dans un an, hein, donc on a le temps. À moins que d'ici là, je trouve un cadre 3D. Mais bon. Mais au moment de l'encadrement, de toute façon, je vous ferai une vidéo. Je vous montrerai comment je vais faire. Alors. Par contre, il y a un truc qui m'énerve, j'ai pas mis ma toile droite. Alors, regardez. Voilà, mon cadre est droit là. Mais ma toile, elle part au grenier, comme on dit. Donc, je vais dans la semaine, là, je vais bien la défaire, la remettre droite, parce que ça m'énerve. C'est pas droit. Donc, voilà, je suis à jour. Ça avance petit à petit. Donc, tout va bien. Voilà. On va piquer ma place. Regardez. Là. Il m'a piqué ma place. Alors, ça, je l'ai montré. Est-ce que je l'ai barré? Non, je ne l'ai pas barré. Alors, sur mon carnet, dès que j'ai fait une broderie, je barre sur ma liste. Comme ça, je sais ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, malgré que je marque. Voilà, je marque tout sur mon carnet, au fur et à mesure, tous les jours, ce que j'ai fait, combien de croix, etc. Mais en haut de ma page, j'ai ma liste de tout ce que je veux faire cette semaine. Alors, ensuite, du coup, je ne l'ai pas barré, je le barre. Là, c'est bon. En fin de compte, bon, il y a des broderies que je n'ai pas pu faire cette semaine. Ça va quand même. Alors, allez, je vous montre ma bête noire. Vous devinez laquelle? Oh là là. Alors celle-là, souvent, je la fais le lundi. Comme ça, je suis tranquille. J'ai pu la ressortir de la semaine. Hop. Toujours mon équigrate.
ça ne change pas. Mes carottes. Bon, le feuillage avance, hein, il avance, il avance. Mais il n'est pas encore arrivé au bout. Donc, voilà. Ma petite bête noire. bon, il reste encore pas mal à faire. Hein, où j'en suis? Où j'en suis? Ouais, là, j'ai encore toute une feuille complète, deux feuilles complètes. Oui, j'ai encore du taf quand même. Hein, parce que vous voyez, voilà ce qu'il me reste à faire. Ce que j'ai en feuillage, je vous montre ce que j'ai fait. Donc là, ce que j'ai fait, vous voyez, il reste quand même... il reste quand même du taf à faire. Bon, comme je vous avais dit, hein, il y a des erreurs, je m'en fous. Arrivé à ce stade, je m'en fous. À point. Vaille que vaille. Hein. Oh. Mais au moins, ça avance. Bon, du coup, j'essaye pas de me poser une date pour le terminer parce que c'est la broderie sur laquelle je suis la plus longue. Je vais pas dire que j'y vais à reculons, mais voilà, je la fais parce qu'il faut que je la fasse. Alors, ensuite, là c'est quoi? Non, celle-là, je ne l'ai pas faite cette semaine. Non, je n'ai pas faite. Non, j'ai dit que je la ferai la semaine prochaine. C'est le... Je vous remonte pour ceux qui ne l'auraient pas vu. C'est la broderie Alice au Pays des Merveilles. Oh là là. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. L'arcade est terminée. Donc celle-là, non, j'ai pas fait cette semaine, mais la semaine prochaine, voilà, vous voyez, alors je vous montre pas trop, alors, je vais montrer de loin, voilà, moi j'ai fait ça, hop, 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 il reste encore deux colonnes là à faire, qui feront partie de ce mois-ci, plus des petits des petites choses que je ferai certainement en plus, je verrai. Ah, ça c'est dans mes carottes. Bon, je range mal aujourd'hui. Je crois que c'est d'être sur la table. Donc voilà, celui-là je ne l'ai pas fait cette semaine, mais la semaine prochaine ça avancera. On va mettre là, on rangera après, ce sera mieux. Ça, c'est quoi? Oui. Mes hérons. Mes hérons de chez Lanart. Alors. J'ai des fils partout, partout, partout. Alors, ça va être peut-être un peu plus compliqué que d'habitude pour vous voir. Mais bon, on va essayer. Voilà. Voilà où j'en suis. Alors, là, c'est toujours pas fini d'être rempli. Parce que je me suis paumée un petit peu. Je me suis paumée sur ma grille. Mais bon, ça va aller. On va... Alors, vous voyez, je me suis tellement paumée qu'il y a des fils. Vous voyez, il y a des fils... que j'ai laissé pour continuer. Ouais, je me suis complètement paumée là sur ma grille. Je l'ai trop gribouillée. Et du coup, mais je m'y suis mal prise. Il faudrait que je me mette case par case, tout au moins deux cases à la fois peut-être, ou même quatre, ça irait. Mais là, je vais là. Je me suis complètement paumée.
Mais voilà. Mais ça va, c'est très joli quand même, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème pour ça. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est une broderie qui est partie pour plusieurs mois, hein. Je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour la faire, mais elle est partie pour plusieurs mois. Tant que je les termine avant de fêter mes 100 ans. Mon petit dragon. Alors, il commence à avoir une bonne bobouille, mon petit dragon. Alors ça, je vous rappelle que c'est un modèle que j'ai... Alors, c'est un Svetlana Chichkar, si je me... Chichkar, c'est ça, oui. Je vais regarder. Le dragon, il est là. Est-ce que j'ai le nom? Ah bah non, j'ai pas le nom. Mince. Non, j'ai pas le nom. Il faudrait que j'assure Etsy directement. Vous avez le temps, 2 minutes? Hop, Etsy. Alors, il est où? Bon, allez, ah, voilà, c'est là, mes achats. Je vais y arriver, je vais y arriver. Le voilà. Hop. Allez, sur sa fiche directement. Ah non, c'est... Alexandra. Alexandra de Patterns by Astiche. Ouais, Patterns by Astiche. Je croyais que c'était un Svetlana celui-là. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà. Ouais, non, bon, c'est pas grave. Alors, voilà où j'en suis. Voyez, la tête commence à prendre forme. J'ai commencé les, malgré que j'ai pas terminé le reste, j'ai commencé le point arrière de la tête. Voilà. Et t'as de beaux yeux, tu sais. Vous avez vu ça, ses yeux, comment ils sont beaux. C'est chouette, chouette, chouette. J'aime beaucoup. Bon, j'ai pas fini le point arrière, hein, de la tête. Il en reste. Mais c'est vrai que c'est un modèle qui va y avoir quand même. Alors, je vous remontre le dessin. Voilà. C'est un modèle qui a quand même beaucoup de points arrière pour un petit modèle. Vous voyez? Donc, il y a de quoi faire. Mais ça va. Ça va. Je trouve très joli. Hop. Donc, il avance. Il avance, mon petit pépère. Bon, lui, il devrait... Il devrait... ce mois-ci, il devrait être terminé. Hein. Peut-être avant, mais bon, on va me dire que je prends encore un mois pour le finir. Comme ça, bah, je ne m'avance pas trop. Au moins, j'ai de la marge. Mais celui-là, au mois d'avril, on ne devrait plus le voir dans le stock. Voilà, il est trop choupignon. Donc ça, je rappelle que c'est un modèle qu'on m'a offert. C'est une de mes abonnées qui me l'avait offert. J'aime bien quand on m'offre des grilles. Voilà.
Ensuite, ah oui, non, ça c'est la grenouille. La grenouille, j'ai rien fait. Alors, la semaine dernière non plus, je crois que j'avais rien fait sur ma grenouille. Je crois que j'avais rien fait sur ma grenouille la semaine dernière. Non, non, j'avais pas travaillé dessus. Bon, c'est pas grave. Cette semaine, je ferai. Pareil, je vais le remontrer quand même pour ceux qui ne connaissent pas. Mais j'en suis à la moitié, hein, donc ça va. Voilà. Donc ça, c'est un modèle de Sabine, de la boutique Poussière d'étoiles. Voilà. Petite grenouille. Bouddha. Alors, le Bouddha. Le Bouddha, c'est un modèle gratuit également. Enfin, également, celui-là, c'est un modèle gratuit que vous retrouvez dans la boutique de Sabine, dans la boutique Poussière d'étoiles. Donc, il vous suffit d'aller sur la boutique. Vous faites comme si vous passez une commande. Et votre commande sera à zéro. Hein, voilà, et après, vous pourrez télécharger le PDF directement. Alors, le Bouddha, je l'ai fait quand? Ah, ici. J'en suis. J'arrive au quart de la broderie. Y en a. J'arrive au quart de la broderie. Voilà. Alors le rendu est toujours aussi top, hein. Vraiment très joli. Donc il y avait des toutes petites erreurs, mais alors pas beaucoup, hein, sur celle-là de toile. Donc au fur et à mesure que j'avance, je retire les erreurs et je les refais. Mais vraiment, il est top, top, top à faire. Voilà, cette semaine, que j'aimerais faire, c'est terminer tout l'intérieur du visage. Vous voyez? Voilà, je voudrais terminer l'intérieur du visage pour me consacrer au tour de la tête par la suite. Voilà. Là, à l'intérieur du visage, il ne reste plus grand-chose. Hein, non, je l'aime beaucoup. Voilà, donc celui-là, je vous dis, vous le retrouvez gratuitement dans la boutique de Sabine. Oups, j'ai oublié de repiquer. Alors, dans mes sacs, je n'aime pas laisser mes aiguilles que sur l'aimant. J'aime bien la raccrocher. Parce qu'après, si ça glisse, je les perds, ça m'embête. J'ai un stock d'aiguilles. Hein. Mais bon, avec les toutous, tout ça, si une aiguille tombe par terre et que je ne la retrouve pas tout de suite. J'ai toujours peur qu'il se blesse. Donc, j'essaye de faire plus attention possible. J'essaye. Après, tic, tic, tic. Ça, c'est quoi? Non, c'est la grenouille. Je viens de vous la montrer. Et, ah oui, ici. Ma broderie mystère, donc c'est la broderie, c'est le sale mystère que Sabine organise. Et là, elle vient de donner la dernière étape. J'en suis pas encore là, mais c'est pas très grave. J'ai pas encore réussi à terminer la quatrième étape. Je pensais la terminer, j'ai pas réussi. J'ai fait quand même 464 croix. Ça me fait penser. Est-ce que je vous ai dit Bouddha? Ben non. Je reviens sur le Bouddha 2 secondes. Le Bouddha, cette semaine, j'ai fait 265 croix. J'en suis à 22,45%.
Voilà. Et ma broderie mystère, j'ai fait 464 croix, soit 1723. Voilà. Donc, mais la quatrième étape est presque terminée, hein, donc il n'y a plus grand-chose à faire, puisque la quatrième étape, ah, ici. Je vais calculer. Quatrième étape. De... Voilà. Alors, on est à 2487 et moi j'en ai fait 1723. Il me reste 764 croix à faire pour terminer cette étape. Il faudrait que j'essaie de la terminer en une fois là, pour être tranquille. Alors, on va changer l'aimant de cette broderie parce que quand on a commandé notre salle, donc il y a quelques mois, il y avait bien sûr avec un aimant qui correspondait à la broderie, comme à chaque fois hein, sur la boutique de Sabine. Mais on ne pouvait pas le recevoir tout de suite, puisque c'était un sale mystère. Et que si on recevait l'aimant tout de suite, ben, c'était plus un mystère, puisqu'on savait tout de suite le dessin que l'on allait broder. Et on a reçu cette semaine, donc puisque là, hier, Sabine a donné la dernière étape, on a reçu cette semaine l'aimant qui correspond à la broderie. Et la voici. Regardez-moi comment il est choupinou. Un petit fan. Voilà, nous sommes en train de broder un petit fan. Il est trop mignon. Alors du coup, je vais changer d'aimant sur ma broderie, ça va me motiver. Hop. Voilà, donc moi j'avais mis ça, c'est pareil, c'était un aimant de chez Sabine. Donc celui-là, je l'enlève et on va mettre le petit fond à la place. Voilà. Ça va me motiver à finir cette broderie, enfin surtout à la continuer déjà. Mais à aller un peu plus vite. Voilà. Il est trop chou. Alors, je ne sais pas je ne sais pas si on va le retrouver dans la boutique. J'ai oublié de demander à Sabine. Alors, est-ce que je l'avais mis ici pour jeter un coup d'œil sur la boutique? Je vais le taper en vitesse. Si ça veut s'ouvrir, ah, quand même. Alors, voilà. Allez, je vais regarder, mais je pense pas hein, qu'elle soit dans les aimants. Alors, par contre, si comme je viens d'ouvrir la boutique, je le vois. Si vous n'avez pas eu le temps ou toute autre raison d'acheter la box, les box du mois de mars, donc la box broderie, la box aimant aiguille et la box papeterie du mois de mars, il y en a encore en stock dans la boutique. Donc n'hésitez pas à aller. De toute façon, je vous mets en barre d'infos le lien de la boutique de Sabine. Il y a également un code promo si vous n'avez jamais commandé chez Sabine, mais ce code promo est hors box. Les box ne prennent pas le code promo, mais vous pouvez commander plein d'autres choses sur la boutique et vous utilisez ce code promo si c'est votre première commande. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a encore des box. Alors moi je disais les aimants, mais je pense pas qu'il est. Non. Ah non, il n'est pas dedans. Peut-être, je pense qu'elle va le remettre après. Mais là, dans les aimants, vous avez encore Mister Fox, la coccinelle, le papillon, la grenouille, l'abeille, le hérisson, Lovebird, la chouette,
La couronne de papillons, Mr. Bear, Monsieur Ours, le lapin lune, il y a encore des hérissons là, il y a deux hérissons avec des fleurs, le colibri et Mr. Cat. Voilà. Donc, pour les animaux, hein, je parle bien sûr. Sinon, il y en a plein d'autres, mais je ne vais pas tous vous les énumérer. Il y a des maisons. Tiens, c'est quoi ça? Je n'avais pas vu cela. C'est pas bon de se promener sur la boutique de Sabine. Ouais, je ne les avais pas vu cela. Bon. Ouais, il y a encore le Père Noël, le Hello Automne. Voilà, il y a encore pas mal d'aimants. Si vous voulez aller voir, si vous voulez collectionner un peu, voyez là, le tableau là, ici. J'en ai plein. J'ai tellement plus de place que là, j'en ai au-dessus de mon bureau. Il va falloir que je fasse autre chose. Voilà, ouais, il y a encore pas beaucoup de modèles. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et pareil, niveau broderie, bah, tout y est encore. Hein. Hop, je me clique là. On a le Mr. Cat, on a le colibri, il y a le lapin lune, le hérisson, la grenouille, la maison d'hiver, Mr. Bear, donc Monsieur l'ours. Donc les maisons, il y a l'automne, l'hiver, l'été, le printemps, il y a le Père Noël. Il y a une Foxy, voilà, il y a Mr. Fox également, mais bon, il y a plein plein de pages, je ne vais pas toutes les énumérer, parce que là, il y a quoi? Il y a une dizaine de pages. Ça ferait beaucoup à dire maintenant dans la vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à aller visiter la boutique de Sabine si vous ne connaissez pas encore. Il y a des trucs trop, trop beaux. Vous avez craqué. Et là, moi, je suis contente d'avoir eu mon petit aimant. Voilà, ça va me motiver à fond pour continuer ma broderie. Fait penser, il faut pas que j'oublie d'aller télécharger la dernière étape. Voilà. On va ranger tout ça après. J'arrive. Mon stylo est tombé. Je suis là. Je ne suis pas loin. Oh, voilà. Hop. Ah, la terre est basse. Bah, je profite pour prendre un truc que j'ai oublié de prendre pour vous en parler après. Alors, quand je suis assise longtemps en ce moment, j'ai du mal. J'ai très, très mal aux genoux, les deux, mais surtout un. Hein, et le fait de rester assise et tout, c'est... fait pas bon vieillir, mes gens. Voilà. Alors, niveau broderie, non, je n'ai pas tout montré, attends. C'est celui-là. J'ai avancé ma broderie du dimanche soir un petit peu, mais c'est donc c'est celle-ci. Je vous remontre. Voilà, donc c'est un pseudo Dieu Sunday. C'est la seule c'est la seule que je brode en ce moment. Parce que les estampés, j'en ai d'autres qui sont commencés, mais que je n'ai pas repris pour le moment. Voilà où j'en suis. Donc là, j'ai fait tout le haut de toute cette feuille-là, ici. Voilà. Donc il me reste une partie. Dieu la mémère. Il me reste une partie à faire ici. Or, pas dans le vert. Hein. Je vous parle du bleu. Mais
donc j'avance tout doucement, mais sûrement, comme on dit. Là, c'est... Ouais. Pas fait de jolis points là. Sur 3-4 points, ils sont pas top, top, top. Mais bon. C'est pas grave. Mais j'ai l'impression qu'il y a des fils qui sont plus ou moins épais que d'autres. Et du coup, qui remplissent mieux ou moins bien des fois la toile. Mais bon. C'est pas du français là, hein. Donc on peut pas non plus. Donc voilà. Bon, je vous montre que j'en suis encore loin, hein, voyez. Et voilà derrière ce que j'ai brodé. Vous verrez mieux ce qui a été brodé déjà. Alors bon, je voudrais déjà finir. Voyez, ben là ça fait un quart. Finir cette partie là, ce serait bien, mais un petit peu à la fois. Pareil, hein, elle va me durer un moment, hein, cette broderie. Il ne faut pas se leurrer. Hein, voilà. Alors, niveau broderie, je crois que je vous ai tout montré. Je réfléchis. Oui, le toast à l'œuf, je ne vous l'ai pas sorti. Je vous remettrai certainement la photo. Bah du coup, celui-là, j'ai pas eu le temps de le faire. Je n'ai pas fait ma grenouille et je n'ai pas fait mon Alice. Mais Alice, c'était prévu que je ne le fasse pas cette semaine. Donc, voilà. Donc, il n'y a que le toast à l'œuf et la grenouille, on va dire, que je n'ai pas sorti. Ça se fera d'ici la semaine prochaine. Oui, maman. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Oui, tu vois. Ah, viens voir sa maman. Ouais. Oh là 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 là. Viens voir sa grand-maman. Ça va? T'as été mangé? T'avais faim? Oh, moi, j'avais faim. T'es une grosse gourmande. Alors, niveau broderie, c'est tout. Là, aujourd'hui, non, hier, c'était hier, j'ai donné, alors moi, je ne le fais pas, ce sale-là, puisque moi, elle est déjà brodée, c'est une de mes créations, donc je vous remets la photo, voilà, ici, ce sale, je l'organise sur mon groupe, il va se faire sur un an, mais je me demande si je ne vais pas rétrécir, parce que j'ai donné l'étape du mois de mars hier et j'en avais déjà deux qui avaient terminé de broder. C'est vrai que c'est une broderie qui va très très vite à faire. Je vais voir, peut-être que je vais donner les plus grandes étapes ou je verrai avec les filles du groupe si elles veulent qu'on continue sur... ce qu'on est en train de faire maintenant, ou si elles veulent qu'on agrandisse les étapes, enfin la partie à broder, on verra. Également, j'ai des filles sur le groupe qui ont brodé une de mes broderies, pareil, que j'ai dessinée moi-même il y a quelques années, qui est sur le thème des chats. N'hésitez pas à venir sur mon groupe, il y a plusieurs broderies dont je suis la créatrice qui sont sur le groupe, qui sont dans les fichiers, si vous avez envie de les broder ou quoi, il n'y a pas de souci. Et là, c'est celle-ci que j'avais offert au groupe, pareil, cette semaine, la semaine dernière, et... il y en a deux qui sont en train de le faire, je crois, deux ou trois. Il y en a une qui l'a déjà terminée. Voilà. Et je suis très heureuse quand je vois mes créations se broder. Voilà, ça me fait plaisir. C'est assez gratifiant, on va dire, de voir que des personnes aiment ce que vous faites. Voilà. Et puis il y en aura d'autres, hein. Il y a d'autres broderies qui vont arriver sur le groupe également, donc
je vous dis, n'hésitez pas à venir vous inscrire. Le lien du groupe est en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à venir vous y inscrire. Et on fait plein de choses dessus. Vous faites de la broderie, du tricot, du crochet, de la couture. Vous faites du patchwork. Vous faites... Voilà, tout ce qui nécessite du fil et des aiguilles, on en parle sur le groupe. Alors, en parlant de fil, l'année dernière, j'avais déjà organisé, c'est le challenge du bocal des fils de lumière. Donc, il y a un peu moins de monde cette année qu'il fait, mais bon, je comprends très bien. Hein, voilà, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire à ça. On prend un bocal, on met ses fils dedans. Voilà, mais voilà où j'en suis déjà après 2 mois de broderie. Puisque le bocal, je l'ai recommencé au 1er janvier. Bon, là, je peux tasser, hein, heureusement. Mais vous voyez, il y a quand même déjà beaucoup de fils. Voilà. Et encore, ils y sont pas. Je pense qu'ils y sont pas tous parce que des fois, j'oublie de les mettre dans mon bocal et bah, ça part à la poubelle. Mais voilà. Donc, ce bocal va me durer toute l'année. Je vais cette année, cette semaine, si j'ai le temps, je verrai. Parce que cette semaine, on a des choses à. Ah ouais, non. Cette semaine, j'ai 2 rendez-vous médicaux. Chouchou, il en a un. Ouais, non, cette semaine ça va être assez hard, donc on verra, ce sera peut-être la semaine d'après. Je vais très certainement commencer également ma broderie avec les restes des fils de l'année dernière. Voilà, donc c'est un truc tout simple, hein. Ça va être un genre de patchwork en broderie, juste pour garder un peu des taches de couleur de ce que j'ai utilisé l'année dernière. Alors, je suis désolée, aujourd'hui, il y a peut-être des coupures dans la vidéo, comme d'habitude, de toute façon, je suis très fatiguée, et du coup, je coupe, je coupe par moment, parce que je ne veux pas que vous me voyez bâiller, comme une carpe, donc je fais des coupures dans la vidéo, j'essaye de le faire au maximum, mais bon. Si j'oublie un petit bâillement, j'en suis désolée. Mais alors, oui, vous savez, je fais de l'apnée du sommeil. Et donc, je suis appareillée, hein, j'ai une machine. Mais pendant plusieurs mois, je n'ai pas mis ma machine. Et à chaque fois, ça me fait cette impression-là. J'ai l'impression que quand je mets la machine, j'ai l'impression d'être encore plus fatiguée que la normale. Et pourtant ça devrait faire le contraire, hein, mais je sais pas. Bon, soit. Niveau broderie, ben voilà, je vous ai tout montré. La steampunk, j'ai pas pu. Alors, ça, je vous explique. Alors là, j'ai gagné le gros lot. J'ai tous mes fils. Tous mes fils sont pas tous bobinés. Hein. Mais il y en a une cinquantaine de bobinés, il m'en reste une centaine à faire. Mais j'ai tous mes fils. Et vous rappelez, j'avais commandé des toiles Easy Count de mère en fille, dans la boutique de mère en fille, en pensant que j'avais pris la bonne taille. Mais j'ai pas pris la bonne taille. Il me manque 5 cm. Pas beaucoup, hein. Il me manque 5 cm. Pour commencer ma broderie, je suis dégoûtée. Du coup, il faut que je me recommande une toile avec la bonne mesure. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas du tout me la commander. D'ailleurs, je ne peux pas du tout faire de commande. J'ai eu rendez-vous avec mon banquier, on a fait les comptes. Il m'a dit, Madame Lapaille, oui. Donc là, non, là, je ne peux pas du tout. Donc du coup, je ne sais pas comment je vais faire.
Tant pis, ce sera remis à plus tard, hein, parce que là, en plus, la toile, elle fait... Oui, elle fait dodo, mais... Oh, regarde, vous la voyez? Elle dort sur mon bras. De mère en fille. Voilà, c'est là. Je vais regarder le prix de la toile. Ah, j'étais bête, là, sur ce coup-là. Enfin, je sais pas comment j'ai fait mon compte. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte, mais... Alors, je regarde ce que j'avais commandé. Pourquoi le mot de passe ne reste pas? C'est embêtant, j'allais dire un autre mot. Ah, ça y est. C'est pas ce mot de passe là. Ah là là, ça m'énerve. J'aime pas quand les mots de passe ne s'enregistrent pas. Ça y est. Non, c'est pas encore ça. Bon, soit, tant pis. Je vais aller voir directement les. Attends, maman, elle arrive. Ne pleure pas. tic à tic à tic. Là, voilà. Ils appellent ça les toiles synthétiques, l'étamine. Allez, Fifi. Fifi, bouge. Bouge, c'est quand c'est fesses. Voilà, ici. Alors, moi, j'avais pris la 50-70. Voilà. La 50-70, elle était au prix de 10,75 € et j'aurais dû prendre du coup. Ah bah, alors, je passe directement du 75 sur 140. Ouais, elle est à 32,25 €. Ouais, non, ce mois-ci, impossible. Ça, je ne peux pas me la payer ce mois-ci. Là, c'est impossible, impossible. Après, il y a la 1 mètre sur 1,40 m, c'est 43 €. Donc, non, impossible. Donc, bah, ma Steampunk, elle va attendre. Malheureusement, je suis un peu dégoûtée. Mais voilà. Ça y est, maman, elle arrive. J'arrive, 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 j'arrive. Bon, vous avez compris, c'est la pause. Pipi pour les quatre pattes. Ça fait 5 ans aujourd'hui que Chapa, je dis à l'envers, que Pacha est arrivé à la maison. Je vous aurais peut-être mis des photos au début, ou alors je vous les aurais mis maintenant pour vous le montrer comment il était quand il est arrivé à la maison. C'était une petite boule d'amour, pas chiante du tout. J'essaierai de vous intégrer, c'est le jour où il est arrivé. Hein. Donc, je verrai si je vous l'ai intégré au début ou si je vous l'intègre maintenant, là pendant la coupure pipi. Le jour où il est arrivé, ce qu'il faisait à Jerry. Lui, il est tout petit, Jerry a sa taille d'adulte. Vous allez voir ce qu'il lui fait. Mais c'est gentil, hein, mais. Quand j'ai vu qu'il faisait ça le jour qu'il est arrivé à la maison, j'ai dit waouh, ça va être un bon celui-là. Ouais, on a pris le gros lot. Et en plus, chez l'éleveur, il était tout timide dans son coin, mais alors comme ça, tout recroquevillé, à faire son malheureux, l'air de dire je suis triste, prenez-moi. Oh. Et maintenant. Tiens, puis électrique. Allez. Bon, bah, il y a Fifi qui s'en va aussi. Alors, on va aller faire la pause pipi. Je vais profiter pour ranger tout ce qui est broderie. Voilà, comme ça, on va voir un peu plus clair. Et je vous mets tout de suite ben, les photos et la toute petite vidéo de mon petit monstre. Et on se retrouve tout de suite. Alors, je me lève pour éteindre le téléphone. On arrive.
j'espère que vous avez aimé la mini vidéo que je vous ai mise juste avant. Voilà, alors niveau broderie, je vous ai dit, j'ai terminé, mais j'ai oublié de vous montrer. Alors, je ne l'ai même pas déballé encore. Voilà, je ne l'avais pas encore déballé. J'avais reçu justement ma dernière commande. Bon, rien d'extraordinaire, hein, c'est juste des fils de la boutique de mère en fille. Parce que bah, justement, bon, ma steampunk, il me manquait. Alors, vous savez, il y a les nouvelles références DMC qui vont du 20 jusqu'au 35. Et je les avais commandées l'autre jour à Univers Broderie pour le colibri. Et je vous avais dit, je crois que j'ai oublié, alors soit pour le colibri, soit pour la steampunk. Mais en fin de compte, c'était la steampunk que j'ai oublié. Et du coup, j'ai commandé sur de mère en fille, parce que c'est là que j'allais payer le moins cher. Voilà, donc toujours très très bien emballé. Bon, je vous dis, il n'y a rien d'extra là, hein, je vais juste vous montrer du fil. Bon, le crépon avec le scotch, c'est pas copain. Voilà. Donc, j'ai pas beaucoup de couleurs. Voilà ce que j'avais commandé. Alors, il y a un rose pâle. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais bon, rose pâle. Un autre parme, vous voyez pas bien les couleurs, je suis désolée. Là, c'est le 35, celui-là, c'est un rouge violine, c'est plutôt violine. Voilà, après il y a du beige, un rose clair, pastel, je crois que c'est le même que l'autre, non? Montre-toi ici. Non, ça c'est le 23, l'autre c'était le 24. Du gris, voilà. Celui-là, je dois l'avoir en double normalement. Là, un autre gris, le 04, donc le 03, oui. Le voilà, je l'ai en double. Le 01, voilà, c'est toujours un gris. Le 26. Le 27. Le 24. Le 06. Mais bon, je suis désolée, vous ne voyez pas bien les couleurs. Le 08. Le 02. Et le 07. Voilà. Donc il me manquait cela pour mon steampunk. Mais bon, maintenant, comme je vous ai expliqué, il faut que j'attende pour me racheter une toile. On verra quand est-ce que je pourrai. Et donc là, les fils, je les avais eus à 96 centimes. Voilà, je les avais eu à 96 centimes. Ah oui, mais hors taxe. Oh, le hors taxe, le taxe, le pas taxe. Ça faisait. Bon, on recommence. 0,96 plus 20%. Ça faisait 1,15 €. Voilà, 1,15 €. Et j'avais un bon de réduction. J'ai utilisé mon bon de réduction en même temps. Avec les frais de port, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros. Voilà. Donc, alors, si vous n'avez jamais commandé sur la boutique de mère en fille, je vous demande de envoyer moi par email, comme ça je récupère votre adresse email parce que j'en aurai besoin.
Et votre nom, votre prénom, le vrai nom et vrai prénom. Et comme ça, je vous envoie une invitation pour aller sur le site. Et ça vous donne en même temps une réduction de 15% sur votre première commande. Voilà. Mais il ne faut pas vous inscrire à l'avance. Il faut vous inscrire quand vous recevez l'email de la boutique de mère en fille. Voilà. Et dès que vous avez passé votre première commande, vous aurez des réductions, des points de fidélité. Et moi, je recevrai également des points de fidélité parce que je vous aurai parrainé. Voilà. C'est normal, hein? Mais on ne peut faire que comme ça. Vous m'envoyez un email, donc mon adresse est en dessous. Et avec vous mettez votre vrai nom, votre prénom et votre adresse email. Moi, j'en ai assez pour vous inscrire, pour vous parrainer. Voilà. Maintenant, on va parler, donc pour ceux qui n'aiment pas, on va parler tricot et crochet. Donc, il y en a que je sais qui ne vont pas rester parce qu'ils n'aiment pas, ils ne sont pas intéressés, c'est pas qu'ils n'aiment pas, mais ils ne sont pas intéressés par le tricot et le crochet. Donc, ces personnes-là, je vous dis, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouvera très rapidement. J'ai des personnes, j'ai une abonnée qui m'a dit qui, elle, ne venait que quand je parlais du tricot. Donc, ce qui était avant, elle ne regardait pas. C'est pour ça que maintenant je mets des chapitres. Hein. Donc comme ça, tout le monde est content. Non, j'ai rien acheté. J'ai reçu une publicité par email de Bergère de France. Comme quoi ils avaient mis des vidéos sur le site pour apprendre le tricot circulaire, tout ça. Et en même temps, ils ont mis des modèles pour faire du tricot circulaire. Bon, moi, vous savez que le tricot circulaire, j'ai toujours pas commencé, malgré que j'ai tout le matos. Ouais, j'ai vraiment tout le matos pour commencer. Et j'ai envie, je sais, j'ai pas fini les autres, mais là c'est juste pour apprendre. J'ai envie d'essayer de faire un modèle. Alors j'en ai trouvé un sur le site de Bergère de France. Alors par contre, la couleur du modèle, je l'aime pas, mais ça c'est pas grave, hein, je la change. De toute façon, je vais regarder pour le faire avec les fils que j'ai. Hein. Je ne vais pas acheter de la laine exprès pour le faire parce que si je le rate, voilà. Là, il se fait avec quel fil? Fil, alors, est-ce que c'est le fil lumière ou le fil océan? Je pense que c'est le fil lumière et la couleur océan. Voilà. Alors c'est un tout petit truc, il n'y a aucune fioriture, il n'y a rien, il n'y a pas même pas de manche, donc au moins comme ça, je suis tranquille. C'est un petit top, voilà, je vous montre sa photo, voilà, c'est ça. Bon, vous voyez que la couleur est moche, hein. Mais pas trop en valeur. Donc j'ai l'impression que c'est quand bon, eux ils mettent quand même 3 B sur 6. Bon, peut-être parce que c'est du circulaire, mais le point est en c'est du point mousse, donc voilà. C'est du point mousse. Ça y est, il se tricote en aiguille circulaire numéro 4. L'échantillon, un carré de 10 cm, bien sûr, en point mousse, doit faire 20 mailles sur 34 rangs.
Donc c'est pour ça que je vais regarder avec les laines que j'ai ce qui peut rentrer dedans. Il va, la taille c'est du S au XL. Alors en XL, donc ça c'est ma taille, il faut 7 pelotes. Donc ça va encore. Et donc il se fait en top-down, donc il commence du haut, qui se termine par le bas, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc j'ai envie de l'essayer, J'ai des explications, j'ai déjà griffonné. Alors j'ai griffonné ce qui m'intéressait pas, c'est-à-dire pour les tailles qui ne m'intéressent pas. J'ai barré aussi le nombre de mailles qui ne m'intéressent pas puisque c'est pas ma taille. Voilà, pour y voir plus clair, j'ai dit comme ça au moins je verrai mieux. Et voilà, vous voyez, j'ai vraiment tout griffonné. Et bon, je vais essayer. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai envie de le commencer. Mais je me suis dit, j'ai encore vu là ma trousse avec toutes mes aiguilles circulaires. J'ai vraiment toutes les tailles en plus. Ça m'embête d'avoir acheté tout ça. Ça m'a coûté très cher en plus pour ne pas m'en servir. Voilà. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête d'avoir acheté toutes ces aiguilles circulaires, les câbles et tout, alors que je ne m'en suis encore, pour ainsi dire, jamais servi. Sauf pour faire le... Je m'en suis servi pour quoi? Ah, pour faire mes cols de pull, donc les cols roulés, les choses comme ça. Ou les cols côte, je m'en suis servi que pour ça. Mais du coup, j'ai dit non, faut quand même que j'essaye. Bon, si j'y arrive, c'est bien, j'arrive pas, c'est pas grave. Hein. On va pas pleurer pour ça. Mais bon, j'ai envie d'essayer. Je suis pas plus bête qu'une autre, je pense pas. Mais là, les explications me paraissent assez simples pour ma petite tête. On va essayer, hein. Alors, par contre, là, j'ai besoin de vos lumières parce que ça, ils ne le disent pas. Alors, je vais vous le dire. Alors, je dois tricoter en aiguille numéro 4. Et pour l'empiècement, donc quand je démarre là, c'est ça, je dois monter 154 mailles. Alors, je vous rappelle, la laine, c'est une laine pour l'échantillon qui fait 20 mailles sur 34 anses. Je ne sais pas si vous en avez besoin pour me répondre. Ben, j'ai pas la taille du câble. Et j'ai déjà regardé hein, dans plusieurs modèles. Je pense que ça, c'est dommage qu'ils ne le mettent pas parce qu'il n'y a pas la taille du câble. Parce que moi, j'ai des câbles de 20 cm, de 40, de 60, de 80, 1 mètre et 1,20 m. Voilà. Ouais, 154 mailles, bah, je prends quel câble? Voilà. Alors, si certaines d'entre vous peuvent m'aider, me dire ce que je dois faire, parce que ben là, je pense qu'en plus, alors là, au début, je suis à 154 mailles, hein, et au maximum, je crois que c'est c'est à la fin, là. Attendez, je vous donne le nombre de mailles maxi. J'ai alors le bas du corps, ouais, bah, donc ça c'est à la fin. Il y a un moment où j'ai 172 mailles, il y a un moment où j'aurai 208 mailles, enfin 190 mailles, après j'en aurai 208, et tout
Alors, oula, oui, mais. Ouh. Il y a un moment, alors le maxi maille pendant le tricot, je me retrouve avec 352 mailles. Voilà. Alors, si vous pouviez m'aider, pour me dire quel câble je dois prendre. Voilà. Parce que là, oh là, je suis en train de lire le truc, mais je suis en train de me dire, mais dans quoi je vais m'embarquer encore? Bon. Parce qu'après la dernière série d'augmentation, tricoter, rabattre, tricoter. Je sais pas dans quoi je vais m'embarquer, mais je vais essayer. Je vais essayer tout doucement, sûrement. Je vais bien faire. Je pense que je vais le recopier. Je vais le retaper à la machine. Enfin, à la machine, n'importe quoi. À l'ordinateur, ou je vais le refaire à la main pour que ce soit bien, bien clair, étape par étape. Mais voilà, et c'est ça qui me manque, c'est quelle taille de câble je dois utiliser. Donc pour ce pull qui va commencer avec 154 mailles et qui en aura au maximum 352 et qui sera en aiguille 4. Voilà. Si vous pouvez m'aider, ce serait sympa. Comme ça, je suis sûre de ne pas faire de bêtises. Et si, dites-moi si j'ai besoin de. Par exemple, si vous me donnez une taille de câble, je vous mettrai le lien de ce pull. Je vous mettrai le lien, puisque c'est un modèle gratuit. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme ça, c'est pour si vous en avez besoin pour mieux me répondre, ce sera peut-être plus simple. Vous pourrez aller voir de quel modèle je parle. Et comme ça, vous pourrez me répondre. Voilà. Merci. Bon, on en reparle. Dès que je l'attaque, on en reparle. Alors, je vais le mettre là pour ne pas le perdre. Hop, voilà. Maintenant, alors, couverture météo 2023, zéro. Quoi, la mise à jour par logiciel est prête? Non, je ne fais pas de mise à jour maintenant. ouais, couverture météo 2023, ben j'ai rien fait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait pendant que je faisais ma. Ah oui, je tricotais. C'est pour ça, pendant que je faisais le montage de ma vidéo. Alors, par contre, à part aujourd'hui, puisque du coup, comme j'ai eu de la visite, j'ai pas eu le temps, mais c'est pas grave, je vais le rattraper demain. On va dire que je suis à jour hein, pour ma couverture. Je vous dis, il manque que le rang d'aujourd'hui, mais ça, c'est pas très grave. Le mois de février est terminé sur ma couverture. Alors, attendez, je suis en train d'essayer de la plier pour qu'on voit mieux. Voilà. Alors, le mois de février, il est là. Bleu, 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 bleu. Là, il y a eu un vert, une petite pointe de douceur. La ligne blanche ici qui marque entre les 2 mois, la fin du mois de février et le début du mois de mars. Voilà. Donc là, vous avez le rang du 1er mars. Et là, on est au 1er janvier ici. Je suis encore sur ma semaine bride, puisque je vous ai déjà expliqué. Je fais une semaine en bride, une semaine en maille serrée. Voilà, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, c'est de la maille serrée. Et là, c'est de la bride. Voilà. Alors, mes rangs en maille serrée pour une semaine, ça fait environ 4 cm. Et une semaine en bride, ça fait environ 7 cm. Voilà.
Donc, je pense que je vous l'avais déjà dit. Je devrais arriver. Alors, si je la fais en une seule pièce, je devrais arriver le 31 décembre entre 3,20 m et 3,50 m. Voilà. Je verrai ce moment-là. Mais bon, je ne sais toujours pas si je la ferai en deux parties ou une, ou voilà. Comme pour celle de 2023, que elle, j'ai fait en deux parties. Je vais bien remettre mon fil. Donc voilà, ma couverture météo. Bah, écoutez, moi, je suis à jour, c'est bien. Et là, le petit rang qui me manque d'aujourd'hui, demain matin, en faisant le montage de la vidéo, je vais le faire tout de suite. Comme ça, je serai tranquille. Voilà, les couleurs, voyez. C'est très joli. Et voilà. Alors, on va terminer avec le tricot. Bon, j'ai toujours pas ressorti mon pull camionneur, mais je vais le sortir, hein, parce que j'ai manqué de temps aussi cette semaine, hein. Vous avez bien vu, en broderie, j'ai pas su tout faire. Et pour le tricot, c'était pareil. Donc, le pull camionneur, bon, il est encore un petit peu en stand-by. Mais j'ai avancé, hop, mon pull fil d'art. Voilà. Alors, j'ai fait combien de rangs? Est-ce que j'ai oublié de compter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je fais 15 rangs. C'est bien. Voilà. Donc ça, c'est le devant, hein. Voilà. Et vous voyez, j'ai fait donc tout ça. Donc, je suis toujours dans mon océan, mon désert, ma mer de Jersey. Mais ça va, hein, ça ne me gêne pas. Le rendu est vraiment propre et très joli. Voyez. Non, j'aime beaucoup. Bon, j'ai quand même hâte qu'il soit fini maintenant, hein, parce que on est quand même arrivé au mois de mars. C'est bientôt le printemps. Donc, c'est un pull d'hiver. Mais bon, c'est rien, sinon je le mettrai l'année prochaine. Hein, mais j'aurais quand même accéléré pour qu'il se termine. Bon, là, j'ai bien. J'ai bien avancé pour cette semaine, hein, dessus. Voilà. Donc, on va accélérer. Ben là, il me reste ça sur la pelote. Alors, j'ai trouvé une technique sur quoi j'ai vu ça. Sur Instagram, je crois. Pour changer de pelote en cours de route. Alors, on peut changer de pelote en plein milieu du tricot. Moi, j'essaye toujours de finir ma pelote en fin de rang. Comme ça, au moins, s'il y a des nœuds ou des choses, ben, ça ne se verra pas, c'est dans les coutures. Et là, j'ai vu une technique. Alors, je ne sais pas si c'est un nom ou quoi. Vous allez prendre vos deux. C'est compliqué à expliquer comme ça. Vous allez prendre vos deux fils, votre pelote qui se termine et votre nouvelle pelote. Vous allez tricoter un point. Vous allez faire votre point avec votre fil. Alors, je vous dis, celle-là, c'est la pelote qui se termine, hein, à droite. Et la nouvelle pelote à gauche. Mais ce n'est pas comme ça que je prends mes fils. Enfin, c'est pour vous imaginer au maximum. Vous allez faire votre point, votre maille, avec votre fil ici. Hop, vous faites votre point. La deuxième maille, vous allez le faire avec le fil là. Le troisième, avec le fil là. Et comme ça, pendant 5, 6, même 10 points, 10 mailles s'il faut, vous allez alterner les deux fils.
Et bah comme ça, vous avez passé votre nouvelle pelote sans devoir faire de nœuds ou quoi que ce soit de compliqué pour vos deux fils se sont mélangés dans le tricot. Une maille après l'autre, on va dire, hein, une maille sur deux. Et voilà. Donc j'ai fait ça sur celui-là. Alors, ils sont mes fils. Voilà. Vous voyez, ici. Et sur l'envers, on voit pratiquement rien. Hein, voilà. Et sur l'endroit, bah, on voit strictement rien. Je trouvais ça pas mal. Bon, là, il y a mes deux fils qui pendouillent, bien sûr, mais ça, c'est rien. Je vais passer mon aiguille à laine et je vais glisser mon fil derrière, comme ça, ni vu ni connu. Bon, là, il est grand hein, quand même, donc je ne vais pas passer tout ça, mais je vais faire passer sur 3-4 mailles et après, je couperai. Et je ferai la même chose avec le deuxième. Voilà. Et on verra rien. Et on voit rien. Hein. Il n'y a pas de. Mais j'ai trouvé cette technique assez sympa. Et ouais, non, on voit strictement rien. C'était la première fois que je voyais cette technique. J'y dis, tiens, je vais l'essayer. J'y dis, tant pis, hein, c'est le devant. Si je vois que c'est moche, j'aurais démonté, j'aurais fait à ma manière. Mais après, j'ai regardé, j'ai dit, bon, non, ça va, c'est top. Voilà. De toute façon, après, quand les fils seront rentrés, c'est fini, on ne verra plus rien. Donc, j'ai bien aimé. Donc là, je vais bientôt le refaire parce que vous voyez ma pelote. Alors, vous allez dire, bah, ta pelote, elle est comme ça. Oui, c'est parce que. Alors, j'ai eu un souci. Je me suis coincé le fil de ma pelote dans la fermeture éclair. Plus moyen de la retirer, plus complètement coincé. Donc j'ai dû couper. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec deux bouts de fil à rattacher. Voilà, mais là, du coup, j'ai pas eu besoin de faire de nœud ni rien. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Alors là, c'est un pull avec une belle épaisseur quand même. Est-ce que sur un pull fin, on ne verrait rien non plus, ça j'en sais rien. Vous voyez, comme sur le pull de chouchou. Là, je ne sais pas. Il faudrait que j'essaye aussi quand je serai arrivée au changement de pelote. Mais ça, sur du fil fin, je ne sais pas. Voilà. Alors, ben justement, chouchou, j'ai avancé aussi. Ça commence, hein, vous voyez, ça commence à avancer. Hein. Ça, c'est le devant. Et hop. Donc, bon, il chiffonnait, mais ça, c'est pas grave. Voyez, il avance bien. Là, j'ai fait combien de lignes? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, j'ai avancé de 10 rangs. Voilà, ici. Mais il est toujours aussi agréable. Bon, c'est beaucoup plus long parce que le fil est fin. C'est du Calinou. Calinou, Calinou, Calinou. Donc, ça se tricote en 3. Et ils appellent. Oh, c'est écrit trop petit hein, pour mes vieux. C'est la super fine numéro 1. Voilà. C'est la super fine qu'ils appellent ça. Et ben, les super fines, c'est beaucoup plus long à tricoter. Hein. Voilà. Bon, j'espère que ça va plaire à Chouchou et puis qu'il va le mettre surtout. S'il ne met pas, de toute façon, je lui ai dit, je ne te ferai plus jamais de pull. Voilà. Ce sera sa punition. Non, mais voilà, je suis contente, il avance bien maintenant. Je pense que. Alors, est-ce que pour la fin du mois, il sera terminé? J'aimerais bien. Ou tout au moins, tout le jersey. Que tout le jersey soit terminé, que je l'ai assemblé et qu'il ne me reste plus qu'à faire le col pointe, les côtes,
et ici les côtes des manches. Voilà. Mais bon, on verra. Je ne sais pas si ce sera fini. Bon, le pull fil d'art, je voudrais bien qu'il avance aussi. Mais je suis tous les deux sur le devant. Donc, voilà. Et il y a le camionneur. Bon, lui, il est dans le fond, le camionneur. Mais bon, j'ai rien à vous montrer sur le camionneur puisque je n'ai rien fait dessus. Donc, voilà. Bah, écoutez, niveau crochet, niveau tricot, c'est tout. Là, je vous dis, j'aimerais bien commencer à apprendre. Après, on verra ce que ça donnera. Ce pull en circulaire. Mais j'attends vos retours pour me conseiller pour le câble, tout ça. Voir si j'y arrive, ou pas. Voilà. Voilà. Alors, ce que je vais faire la semaine prochaine. Hop, j'ai pas fini le marquer, mais c'est pas grave. Comme d'habitude, alors, en sachant que cette semaine, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai des choses à faire cette semaine. Mon agenda, il est là. Je suis comme un ministre, j'ai un agenda. oui, je suis prise. J'ai un rendez-vous mercredi après-midi. J'ai un rendez-vous. Ah, c'est pas celui-là de stylo, le stylet que je. Hop. Merci. Vendredi matin, voilà. Donc, ça va me faire déjà une après-midi, une matinée de hop. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est deux rendez-vous où je dois aller. Le matin, c'est mon neurologue. Là, je vois tous les 6 mois. Hein, je peux pas faire autrement. Et mercredi, ben, je vais revoir le banquier. voilà. Donc, mais sinon, après, j'ai rien d'autre pour l'instant. Il y a Chouchou aussi qui a des rendez-vous, qui a rendez-vous chez le docteur. Parce qu'il a fait des examens, des radios. Il a très très mal à son dos depuis un moment. Et... Enfin, on ne va pas dire que les radios ne sont pas bonnes, c'est l'usure de l'âge. Il a plein d'arthrose. Les radios, il y a plein d'arthrose. Donc, en même temps, il a fait une prise de sang. Bon, il y a des petites bricoles qui sont pas à 100%. Hein, mais ça, je vous dis, il va avoir 67 ans la semaine prochaine. Enfin, pas la semaine prochaine. Quand est-ce? Le 13 mars, il y aura 67 ans. Donc, voilà. Hein. C'est l'âge, hein. C'est comme une voiture, ça s'use. Donc, il va revoir le docteur pour donner les résultats, tout ça. Voilà. Mais bon, il va y aller tout seul, donc moi, je serai là, je pourrais... Mais comme il ne sera pas là, je vais aussi donner un coup de main pour le ménage. Donc, ouais, ça va être une semaine un petit peu chaotique. Mais bon, rien, c'est pas grave. C'est la vie, hein. C'est normal. Alors, cette semaine, je vais essayer, je vais essayer de faire... Alors, il y aura mon dragon. La fleur, il n'y aura pas la fleur. Il y aura mes carottes. Il y aura mon héron, mes pans royaux, le hall forest de Julia, ma maison météo, bien sûr, le salle mystère, mon Alice au pays des merveilles, mon salle du nouvel an. Alors, que j'explique. Je vais essayer de faire au minimum 250 croix sur chaque ouvrage.
Ce qui fait quand même, alors bon, les carottes, je compte pas les points puisque là je ne saurais pas les compter, mais là je fais 250, 250, 500, 250, 750, 200, 750, 1000, 1250, 1250, 1500, 1000. Normalement, je devrais faire entre 2000 et 2500 croix cette semaine. Ouais. Si je sais faire plus, tant mieux. Ouais, ça va faire ça à peu près. Donc, je vous dis, je vais essayer de faire 250 croix sur chaque ouvrage. On verra ce que ça donne. Donc, je vous répète. Alors, le dragon, les carottes, les hérons de la natte, les paons royaux d'Old Forest, le sal de Julia de Old Forest également, ma maison météo, le sal mystère de Sabine, le sal d'Old Forest Alice au pays des merveilles, mon sal du Nouvel An, l'étape 2, le Bouddha de Sabine, poussière d'étoile, le toast à l'œuf, ma grenouille, et puis ben, je crois que ce sera bon. Ouais, je suis à 12 ouvrages pour cette semaine, avec une moyenne de 250, 250 croix. Ouais, ça doit, je dois pas être loin, hein. Attendez. 12. Non, c'est pas dans ce sens-là que je dois faire l'opération. 250 multiplié par 12 égale, ah oui, 3000. 3000 croix cette semaine. On va essayer. On va essayer, en sachant que je vous dis qu'il y a des ouvrages que je ne sais, je ne peux pas compter les croix, c'est-à-dire les ronds, les carottes, le Nouvel An, le sal du Nouvel An, et le toast à l'œuf. Ces quatre-là, je ne sais pas compter les... Enfin, je ne sais pas compter, façon de parler, mais je veux dire, je ne les ai pas sur mon application de Pattern Keeper. Donc, celles-là, elles sont faites en mode à l'ancienne, papier crayon. Donc, bon. Mais j'ai quand même compté une moyenne de 3000 croix cette semaine. Mais c'est ce que je fais toutes les semaines, hein, environ. Donc, voilà. Si, après, il y aura la couverture météo. Alors là, demain matin, quand je vais faire le montage de ma vidéo ici. Ouais, j'arrive presque à 2 heures. Oh, qu'est-ce que je suis pipelette aujourd'hui. Quand je ferai le montage de ma couverture météo 2023, quand je ferai le montage de ma vidéo, je vais y arriver. Et il y aura aussi la couverture météo 2024, mais ça, je fais un rang tous les jours. Et à part que demain, j'en ferai deux, puisque je rattraperai le rang d'aujourd'hui. Et en tricot, donc, j'attends vos conseils pour le tricot circulaire. Sinon, ce sera pour la semaine d'après, hein, ce n'est pas une urgence. Je vais essayer de me remettre sur mon pull camionneur, le débardeur à chouchou, bien sûr, et mon pull fil d'art. Voilà. Bah, écoutez, quand j'aurai fait tout ça, j'aurai bien bossé, hein. Mais ça m'étonnerait que j'arrive à faire tout cette semaine, parce que je vous dis, il va y avoir des jours où je pourrais, enfin des matinées ou des après-midi, où je serai assez prise et que je pourrai pas faire ce que je veux. Voilà. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai toujours pas fait mon petit lapin ballerine. Ça, il faudrait que je m'y mette aussi. Mais bon, c'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux, c'est prévu. Bah, écoutez, aujourd'hui, je vous ai fait une longue vidéo. Ouais, là, je suis à 1h55 pour l'instant. Bon, il va y avoir deux, trois petites coupures, mais ça va, je crois que je resterai sur le même temps.
Ouais, je vous ai bien parlé. Et ah, mais mince, je voulais pas montrer le deuxième encadre. Je vous montrerai la semaine prochaine. J'ai encadré une autre broderie, mais que j'avais terminée déjà depuis un moment. C'est pas grave, je vous la montre la semaine prochaine, ou si j'y pense, je vous fais un post dans la communauté sur la chaîne. Comme ça, je vous montrerai. C'était le blackwork que j'avais terminé, vous savez, celui avec les alvéoles. Voilà, il est encadré, ça y est. J'ai complètement zappé de vous le montrer, désolée. Mais là, bon, il est au mur et tout, donc je vous fais une photo et je vous la mets dans la communauté, sinon je vous montrerai la semaine prochaine. Allez, maintenant, j'arrête de papoter, hein, il est temps. Je vais finir de ranger tout ça. Enfin, il n'y a plus grand-chose à ranger, j'ai rangé le principal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Bon, je suis en retard dans les réponses de commentaires, mais j'essaye d'être à jour quand c'est pour le journal créatif. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pensez à me donner vos choix de cases pour le diamond painting. Et bah, si vous avez juste envie de me dire bonjour, un gros bisou, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, allez-y également. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.